Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un câble Lightning Anker. Donc on va déballer. Et voilà, on tombe tout de suite sur le câble. Donc tout de suite, en fait, on est étonné par la section du câble qui est quand même plutôt importante. Je sais pas si ça va arriver à faire la mise au point. Donc il est en nylon tressé. Vraiment de bonne facture. Bien évidemment certifié MFI. Donc pour une longueur de 90 cm. Donc on va le tester. Donc là, on se retrouve sur l'ordinateur après avoir branché le câble. Bon, bien évidemment, il est reconnu instantanément. Voilà. Voilà, le câble branché à l'iPad. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce câble? Honnêtement, j'ai été surpris parce qu'après avoir effectué plusieurs tests, eh ben, il s'avère qu'il charge plus vite que le câble officiel. Donc c'est vrai qu'il a une plus grosse section, mais je gagne environ 10% avec évidemment un chargeur de bonne qualité dessus. Donc pour le coup, c'est vraiment une très très bonne surprise. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce câble? On peut dire qu'il n'est pas très cher, que c'est un câble de très bonne qualité en nylon tressé avec des produits plutôt premium, hein. Donc les découpes sont parfaitement réalisées, c'est impeccable. Donc bon, de toute façon, Anker nous habitue toujours un petit peu à cette qualité-là. Donc au final, c'est quand même un câble d'un support, un super rapport qualité-prix et à moindre frais que je vous conseille totalement. Voilà, à bientôt!